aucune idée d'où ce qu'on est, mais je sais que la plage est pas loin. Là, on va décoller avec un vent qui est quand même léger, mais dans la bonne direction. Et c'est notre premier vol, on a tout à l'heure. Fait que je pense que là, ça va faire du bien. Les gens ont hâte de lâcher un peu d'adrénaline. Donc là, on sort les moteurs et on se prépare pour notre premier vol du voyage. Premier vol, mon expérience, super, on a enfin cassé la glace. Il faisait pas très beau, pas soleil, c'était gris, pas de pluie. Un beau vent qui changeait tout le temps, ça fait qu'au départ, c'était un peu compliqué. Mais une fois dans les airs, c'était nickel. Et puis, on a fait la plage, on est allé au fort, on est revenu, on est retourné là-bas. Nos moteurs avaient un petit peu des problèmes, nos cellules sont pas bien ajustées, mais on a pu tout corriger ça, fait que c'est un petit vol. Permettre de tous ces petits ajustements-là. J'ai changé d'hélice avec un autre qui voulait avoir une hélice propre à Poligny, puis moi je voulais avoir une hélice. Ben, c'est bien parfait. On espère. Là, on va changer de place, on va aller dans un autre endroit. Le but, c'est de voir le plus d'endroits possible et non pas faire le plus de vols possible. En tout cas, ce qui nous concerne. Ben, ça va être le prochain vol. Ben, ça y est, on vient de faire nos premiers vols. On est pas mal tout excités. On était un petit peu nerveux au début avant les vols parce que, ben, nouvelle machine, nouveau site. Dans le cas de Norbert, nouvelle voile également. Mais tout le monde, ça a bien été. Fait que là, c'est comme une espèce de soulagement. Là, on est prêt pour les... On fait un beau vol, mais c'est surtout un vol pour vérifier notre matériel. Là, on est prêt pour les grands vols à venir. Voilà, merci. Premier vol. Ça a bien été. On a apprivoisé l'équipement, fine-tuning. Ça fait du bien sur le moral. Enfin, vivement le prochain vol. Parle-moi donc de votre premier vol. Là. Ah, on l'a fait! On a réussi! Hey! On l'a fait! On a réussi! On a décollé, on a redescendu, on a remonté. Et c'est parti! Ouais, c'est l'apprentissage d'un nouveau moteur. Donc, ouais. Comment ça pousse, pas pousser assez. Finalement, les vents qui changent de bord, ouais. Changer la voile de place. Mais là, ça l'a fait. On l'a fait. On l'a fait, on a brisé la glace. Ouais. Voilà, c'est fait. Merci. Comment a été votre premier vol? Et
écœurant. Ah. Fantastique. On porte pas à terre. Je porte pas à terre. Non, on est vraiment contents. Et là, comme tu vois, je suis plus volubile que dans l'interview avant le vol. Après le vol, je suis toujours sur un high. Ah, elle m'a dit comme Monique, c'était magnifique. La vue de la côte. Les vagues, c'est absolument à couper le souffle. Le sifflet. Alors, ce fut absolument magnifique. Et premier vol de en Nouvelle-Zélande. Check. En parlant fort, vas-tu me parler de ton premier vol? Bien, ça a été un beau décor sur le bord de la mer. Bon décollage, nouvelle aile, nouvelle expérience, nouveau moteur. Un petit semblant de panne en route, mais ça s'est résorbé. Fait que je suis retourné me promener. Les gens ont l'air bien sympathiques au sol, ils nous envoient la main. Alors, bon départ. Ton premier vol, comment ça s'est passé? C'est parti. C'est sûr, beaucoup d'appréhension. Ça ne va pas exactement à quoi s'attendre avec une machine différente, conditions différentes. Ça a bien été. Faut sûrement un bon décol. Finalement, c'est sûr, on est en Nouvelle-Zélande, ça fait du bien. La glace est bien.